Bonjour et bienvenue, vous êtes sur BMF TV, il est 20h, tout de suite, le Flash Info. Voilà maintenant 3 jours que s'est déroulée au pied de la forteresse de l'Ouest, la terrible explosion faisant des centaines de victimes parmi les villageois. Notre équipe de journalistes s'est rendue sur place afin d'interroger les dignes représentants de Medium sur les causes de cette explosion sur l'un de leurs sites. Monsieur le Président, s'il vous plaît, une déclaration. Nos meilleurs experts travaillent sur cette affaire. Vous pensez bien que dès que nous aurons de plus amples informations, nous... Monsieur, la partie de Belone va commencer sans nous. Ah, écoutez, je suis pressé. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à mes collaborateurs. Malheureusement très pris par ses obligations, nous nous sommes naturellement tournés vers ses plus proches représentants. Colonel Lard, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les raisons de ce drame? En premier lieu, je tiens à préciser que Medium a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour secourir le plus rapidement possible les victimes. Vous confirmez donc la thèse de l'attentat? Évidemment, ce n'est pas un accident. Vous savez, je ne suis pas homme à croire au hasard. Il est signé, et nous connaissons les coupables. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'une attaque de cette bande de terroristes de Green End. Ces hippies animés par les vents de l'anarchie, ces connards à cheveux longs, ces fils de... Merci, colonel. Ce sont bien sûr des sauvages sans foi ni loi. Malgré tout, en professionnel, nous nous sommes rendus en territoire hostile afin d'entendre les partisans de Green End. Bien entendu, nous les avons abordés sans aucun a priori, dans la plus grande neutralité. C'est ignoble ce que vous avez fait! Vous êtes des monstres! Mais, Brigitte, mais... Reconnaissez votre crime avant qu'il ne soit trop tard! Mais calmez-vous, enfin! Repentez-vous! Demandez pardon à Medium! De quoi vous parlez, là? On est posé? C'est la fête du sanglier, quoi! Je parle de ce massacre que vous avez commis! Mais on l'a fait cuire, quoi! Les gens chantaient et dansaient autour du feu. Mais oui, bien sûr. Il y avait de la musique, quoi. Oui, oui. Et la sœur Marie-Jo jouait du banjo. Vous vous foutez de moi? À un moment, quoi. Tout le monde s'est donné la main, tranquillement, là. Évidemment, les assassins nient toujours leur crime. Mais revenons en terre civilisée. Nous avons tenu à recueillir les avis des hommes du colonel, des hommes qui risquent chaque jour leur vie pour défendre les valeurs du royaume de Medium. Notre rôle à nous, bah, c'est de combattre les méchants. Ils ont cassé le mur de pierre, c'est pas gentil? Comment ça, ça a eu des répercussions sur le moral des troupes? Mais bien sûr, avec cette histoire, on a dépassé sur l'heure des déjeuners. En plus, les producteurs de pâté ont pris du retard cette année. C'est une catastrophe! La volonté qui nous anime? Mais qu'est-ce que vous pensez? Évidemment, on fait ça pour le respect de la dignité humaine. L'honneur de la nation, l'honneur de la nation, mais écoute... De mes ancêtres. Ouais, et toutes ces heures supplémentaires, même pas payées, on est des... milliers de Medium. Ah, moi, le sens du devoir, je me tords... Le porte dans mon cœur. Des propos recueillis par votre servitrice. N'oublions pas de préciser que si Medium, notre gouvernement tout-puissant, affirme que c'est un attentat, il ne peut en être autrement. C'était Brigitte sur BMF TV pour le Flash Info.